Albert de Monaco a livré quelques conseils au prince Harry et à son amoureuse Meghan Markle afin de faire face au mieux au tourbillon médiatique. Entre princes amoureux de roturière, on se comprend. Ainsi, Albert de Monaco, marié avec la championne de natation Charlène Whitstock, s'est permis d'adresser quelques conseils avisés à son homologue gallois, le prince Harry. Selon les rumeurs, qui se font de plus en plus pressantes, ce dernier est sur le point de demander à Meghan Markle de devenir son épouse. Le seul conseil que je puisse leur adresser, c'est cette expression britannique, « restez calme et continuez », a fait savoir le prince Albert auprès de People. Puis de saluer la manière dont le couple a géré, jusqu'à présent, la tempête médiatique, je ne peux pas imaginer la pression qui sera sur leurs épaules, sur ses épaules à elle. Point, ils ont l'air de bien s'en sortir pour l'instant. Les médias ont changé le fils de Rainier III de Monaco et de la comédienne américaine Grace Kelly a ensuite comparé l'agitation autour du prince Harry et de Meghan Markle avec sa propre expérience. Ma mère disait qu'être actrice l'avait préparée. Elle était familiarisée avec la presse. Mais à son époque, la presse était un peu plus respectueuse. Les médias, et surtout les paparazzi, ont changé leur manière de travailler, s'est rappelé Albert de Monaco. Puis de partager les précieux conseils apportés par sa tendre maman, Grace Kelly, elle nous a toujours dit qu'il faut protéger à tout prix sa vie privée. Mais qu'il faut aussi communiquer avec la presse. Quand nous allions ensemble en vacances en famille, on consacrait une heure dès la première matinée aux photographes. On leur laissait une heure, en échange de quoi ils nous laissaient tranquilles pour le reste des vacances. Un conseil qui ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Step a God you see.